sur 3 étages. Ça, c'est un truc qui est réel en plus. Et qu'une impression, c'est peut-être juste moi. Regardez, c'est quoi cette clodo? C'est réel. S'il vous plaît, c'est une blague. Qui m'a envoyé? Évidemment, tant que je suis pas installée, je mange que de la merde. Et j'ai tout le temps du mal à le trouver. Le mixte tuna et mayonnaise. Donc on a la petite entrée, voilà. Pareil, ici, comme c'est petit, ben ça se fait à l'entrée de l'immeuble. J'ai aussi du rangement. Que cette fois-ci, vous verrez, je n'utilise pas du tout de la même manière la table qui a pas toutes mes affaires qui sont sorties, le frigo, et ici on a une petite chaise, mais bon, qui me sert à mettre mon linge utilisé. C'est vraiment bien d'avoir du rangement, mais encore une fois, je m'en sers pas. J'y mets juste mon manteau qui est énorme. Ensuite, ben le lit qui est beaucoup moins confortable. Il est posé comme ça contre l'armoire. Il y a juste un tout petit oreiller par rapport à l'autre. Et je peux même pas me mettre là parce que ben c'est pas fonché, voilà. On a la clim quand même. C'est paradoxal, mais on a une belle clim bien récente. Le chauffage au sol qui se fait vraiment ressentir parce qu'ici, il chauffe beaucoup. Et franchement, parfois je marche et c'est très très chaud. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, ma valise est là. En fait, elle rentrerait sous le lit. La petite qui y est déjà. Et je veux pas faire la même erreur que dans l'autre Airbnb et tout sortir parce qu'en fait ça a été beaucoup trop galère, donc je pioche. Passons à la salle de bain qui est beaucoup moins moderne aussi. Bon, j'ai sorti des produits de première nécessité quand même. Sur une fenêtre à 4 voies. Préparez-vous parce que j'ai failli faire un arrêt. J'ai le vertige. Je vais pas pouvoir faire ça tous les jours. Je vais pas pouvoir faire ça tous les jours. Oh my god. J'ai un gros problème. Depuis que je suis arrivée, je mange uniquement dans des convenience stores. Parce que j'ai encore déménagé. Et surtout, j'avais trouvé les grands magasins. J'arrête pas de taper grocery shopping, etc. Mais je trouve pas. C'est un autre sujet. Là, j'ai un autre problème. C'est que je me dis, vas-y, pour une fois, je vais aller manger genre dans un vrai restaurant. En fait, j'y arrive pas. Parce qu'en fait, je trouve pas. Je m'explique, c'est qu'en fait il y a des restaurants vraiment partout, je sais pas où rentrer, je sais pas où m'arrêter. Là il est midi 27, mais du coup je sais pas où aller. Il y a trop de restaurants. Pour vous donner un ordre d'idée, je
suis à Gangnam, je suis encore dans mon ancien quartier. En fait, je suis revenue ici parce que bah, j'aimais beaucoup l'ambiance. Il y a trop de restaurants, je sais pas quoi choisir. Du coup, je voulais aller à McDo, puis je me suis rappelé que bah, McDo... Pourtant, il y a des petits trucs un peu partout. En fait, j'ose pas rentrer. Voilà, c'est tout. Bon, sans mentir, je pense que je suis arrivée à un stade où je pense que je peux me mettre à pleurer parce que je ne trouve pas, parce que je n'arrive pas à manger. Je suis à un stade où je crois que je vais me mettre à pleurer. Du coup, j'ai pas réellement choisi ce que j'allais manger aujourd'hui. Je suis juste rentrée dans ce restaurant-là parce qu'il avait l'air facile d'accès. Tout était clair, que tu commandais sur ta petite tablette tout seul et que tu te faisais servir à table tout seul. Tout ce cinéma que j'ai fait, c'est peut-être parce qu'en fait, j'ai juste besoin d'être entourée. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve vraiment seule. Vraiment, ce pas juste à faire d'aller dans un restaurant seule, je pense que ça m'a fait juste un petit peu peur. Parce que c'était la première fois, tout simplement. Bon, je pense que vous l'auriez deviné. Je vais pas rester là. Je vais bouger encore. Je vous promets pas de Gucci One Tour la semaine prochaine parce que ce sera pas un Gucci One, ce sera pas un Airbnb. C'est un vrai contrat de location. Ça devrait le faire. Là, je suis déjà en train de commencer à repréparer et à ranger mes affaires. Direction à la sortie. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine.